Né le 1er janvier 1962 dans la ville de Salal, localité située dans la province du Bahr El Ghazal, le docteur Agar Mohamed Ahmad est l'une des figures emblématiques du Tchad. De teint clair, Agar Mohamed Ahmad a passé toute son enfance hors du Tchad. Doté d'un background incontestable et d'une expérience avérée, ce sexagénaire est un pur produit. Mohamed Ahmad a passé toute son enfance hors du Tchad. Doté d'un background incontestable et d'une expérience avérée, ce sexagénaire est un pur produit fini de plusieurs prestigieuses universités du Moyen-Orient, précisément à Bagdad, en Irak, d'Europe et l'Allemagne et la Suisse. Ayant servi avec abnégation et loyauté à l'étranger, tout comme dans son pays, ce natif de Salal, bien instruit, a plusieurs cordes à son arc. Juriste, politologue et théologien, Agar Mohamed Ahmad est un vrai partisan de l'unité nationale. Il fait parler de lui par ses pairs à travers son humanisme. J'ai entendu parler de ce frère qui était cadet avant. La première fois qu'on s'est vu physiquement, c'était dans une salle de réunion au Palais du 15. Alors, quand j'ai pris la liste des membres de ma commission, M. Agar figurait comme vice-président. J'ai un vice-président qui est d'une famille que je connais. Il dit non, je ne suis pas le Agar que tu connais. J'ai dit, je suis ami de beaucoup de Agar, c'est pourquoi je pose la question. Il dit non, je suis le Agar du Sahel, je suis de Salal. Et un nomade devenu sédentaire. Donc on a blagué et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est mis au travail ensemble. Et c'est un travailleur. Il aime le travail comme moi. Il est très assidu comme moi. Et nous avons fait chemin ensemble en animant une équipe d'une trentaine de personnes, des femmes et des hommes, jeunes comme vieux, très dynamiques et très engagés. Et il y avait une très belle ambiance dans notre comité, sous-comité thématique, question sociétale. Docteur Mohamed Ahmad Agar est un intellectuel rompu et pointu, mais qui reste très modeste, facile de contact, très courtois, attentif. C'est un homme qui écoute. Et toutes ces qualités réunies font de lui un homme apte et digne de concilier les hommes. Docteur Agar Mohamed Ahmad, c'est une personnalité humanitaire. Je l'ai rencontré dans ce sens dans les années 2009-2010. C'est notre première rencontre. Il construisait de mosquées et puis de forages d'eau potable. Et c'est comme ça que je lui ai tout présenté une demande pour qu'il me donne de l'eau. Et depuis lors, je n'ai pas cessé d'aller parce que c'est une personnalité très généreuse, très bagagée. Donc si vous le rencontrez une fois, j'en suis sûr que vous allez partir encore vers lui. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que c'est un historien, parce que sur l'histoire, il est très fort. Il est très fort. Moi, je suis originaire de la ville de Salal. Je suis né en plein désert. Le fils de désert du Tchad. Et ça n'empêche pas de dire, moi je suis tchadien tout court, partout. Et bon, je suis né et grandi dans le désert, et parti dans la région de Moyen-Orient pour faire mes études. J'ai commencé mes études en Syrie, après en Irak. J'ai fini par contacter l'université François Rabelais à Tours, en France,
là où j'ai fait mes études supérieures. Voilà. Grand rassembleur et membre de la plateforme de dialogue entre les leaders religieux en Afrique, le Moyen-Orient, l'Occident, le docteur Agar Mahamat Ahmad développe en lui un amour sans pareil pour son pays dont il maîtrise parfaitement les atouts. Promoteur des établissements scolaires bilingues à caractère social, notamment école de renaissance située au quartier d'Iguel dans le 8e arrondissement, Goudji Sharafa dans le 10e et un dispensaire de bienfaisance, le docteur Agar Mahamat Ahmad dit que le Tchad regorge plusieurs potentialités pouvant lui permettre de résorber ses problèmes. Grand rassembleur et membre de la plateforme de dialogue entre les leaders religieux et en Afrique, le Moyen-Orient, l'Occident, le docteur Agar Mahamat Ahmad développe en lui un amour sans pareil pour son pays dont il maîtrise parfaitement les atouts. Selon lui, le Tchad regorge plusieurs potentialités pouvant lui permettre de résorber ses problèmes. Co-président du GAYEC Entendé, groupe d'amitié islamo-chrétienne qu'il préside depuis 1992 avec le père Michel Lelon, décédé le 20 avril 2020 à Paris. Après la disparition de ce missionnaire, Agar co-préside désormais le GAYEC avec Jean-Pierre Bakaye. La terre tchadienne est extrêmement riche. Aujourd'hui, notre planète a un problème de l'eau. Pour ça, on l'appelle le siècle de la guerre de l'eau. Et nous avons 6 fleuves d'eau douce et 3 lacs, Barazoum. Et nous avons encore stock d'eau douce sous-sol. Le deuxième, le plus important en Afrique, c'est sous le pied des Tibesti, qui peut nous résoudre nos problèmes aussi, crise d'électricité, qui a commencé même en 1948. L'autre société-là a problème même sous la colonisation française, comme vous savez. Alors, nous nous sommes aujourd'hui numéro un au niveau de notre planète en matière de tête de bétail. Depuis 8 ans, nous sommes numéro un. Vous voyez. Et sans parler de notre pétrole, notre gaz, la terre tchadienne est très riche. Superficie de terre cultivable au Tchad est énorme et immense. Par exemple, nous avons 39 millions d'hectares de terre arable et nous avons 614 millions de terres arables exploitable et cultivable avec un peu de travail. Et tout ça, apparemment, on n'a pas bien exploité. Sinon, notre pays est très riche. Notre terre est très riche. Et on est dans le continent qu'on appelle au niveau mondial le continent de l'avenir, c'est l'Afrique, qui existe 62% des richesses mondiales non exploitées. Et l'agence du Tchad, le port du Tchad, dans l'ensemble des richesses africaines, mais tout seul, 19% de cette richesse appartient au Tchad. Et ça, c'est énorme, c'est pas 5% ni 10%, 19%. Voilà. Vraiment, je tiens au cœur que nos dirigeants, la société civile, tchadien, tout confondu,
doit lutter pour exploiter cette richesse énorme. Au nombre des problèmes qui gangrènent le développement socio-économique et culturel du Tchad, il note les clivages. Pour y mettre un terme, l'homme qui a tant milité pour la paix et la cohésion sociale met l'accent sur l'importance du dialogue interculturel et religieux comme vecteur d'unification. Le bilinguisme pour moi, c'est développer les deux langues officielles de notre pays. Les Arabes sont venus, comme j'ai dit, suite à la destruction du barrage Marib, sont venus exactement, le premier arabe qui vient au Tchad, c'est l'an 585, ère chrétienne. Alors des différents clans arabes originaires de la péninsule arabique sont venus, ils sont installés ici. Plus tard, ils ont créé le royaume Sefois, qui est devenu plus tard le royaume Zagawa, après le royaume de Kanim. Vous voyez, c'est eux qui ont créé, ça a été créé par, par un groupe yéménite, qu'on s'appelle Beni Saif. Alors, depuis, la langue arabe a commencé à se développer. Et petit à petit, elle est devenue langue véhiculaire qui lie entre tous les Tchadiens, tous les fils de Tchad. De nord au sud, de l'est et l'ouest. Et après, avec la colonisation, la langue française est arrivée au pays. Là, pour moi, le linguisme, c'est développer les deux langues. Essayer de donner chance aux Tchadiens d'être bilingues. Et ça, c'est possible. On ne peut pas dire que tout le monde soit bilingue, non. Mais un peu faire bilingue, un nombre assez, vous voyez, qui peut communiquer en langue arabe, en langue française. Bilinguisme pour moi, c'est richesse, c'est une richesse. Parce que si nous avons bilingue, Matalbé du sud de Tchad, ou un peu de Bangor, quand ils maîtrisent la langue arabe littéraire ou véhiculaire, et ça lui permet de prendre contact et facilement avec 439 millions arabes. Derrière eux, 1 milliard 900 millions musulmans dans le monde, sans parler des minorités dans tel ou tel pays. Hein? Et ça, c'est une richesse énorme. Sans parler d'histoire, arrivée de l'homme arabe au Tchad. Vous voyez? Et côté, quand un Tchadien Hamdan, ou Bokar, ou Ouardogo, maîtrise la langue française, ça lui permet de contacter et de communiquer facilement avec 283 millions d'âmes français, qui parlent français dans le monde. Et ça, c'est une richesse. En plus, c'est la langue d'une puissance mondiale qui a un lien économique et culturel avec le Tchad, la France. Vous voyez, ça, c'est très important. Et ce n'est pas la France seulement. Nord-Canada, Suisse, Belgique, vous voyez. Alors, ça, c'est une richesse énorme. Polyglotte et socialiste, son amour et son patriotisme ne souffrent d'aucune contestation. Voir tout le peuple tchadien uni, rester autour d'une même table, discuter et manger ensemble est son vœu le plus ardent. Pour arriver à cela, l'un des chemins d'or est, selon lui, la recherche et la connaissance de ce peuple dans sa diversité culturelle. J'ai dit pourquoi nous avons créé le centre. Pour faire connaître, mieux connaître le Tchad au niveau de le Tchadien d'aujourd'hui, leur passer tout ça, nous avons
essayer de faire connaître les trois cultures-là. Les trois sont cultures tchadiennes, font partie de notre réalité socio-culturelle, socio-religieuse, socio-politique. Voyez l'histoire du Tchad tout court. Et aussi, nous, les Tchadiens, on ne connaît pas notre pays par nous-mêmes. Parce que ce qu'on connaît, le Tchad, c'est vient de soit CNRS, soit documentation française, soit bibliothèque d'école supérieure en Aix-en-Provence, soit Poitiers 2, soit Whitehall, soit Leipzig en Allemagne. Alors, les Allemands qui sont venus au Tchad, le premier qui arrive au Tchad, même avant qu'on l'appelle le Tchad, vous voyez, les gens comme von Oppenheim, Christopher Dunham, et aussi Gustav Nachtigal, etc. On ne connaît pas. Ce qu'on connaît, dans un cadre politico et culturel seulement. Et ce n'est pas du tout suffisant. Il y a la politique derrière tout ça. Pour ça, on a dit on crée un centre qui s'occupe des cultures tchadiennes, africaines, parce que nous, on fait partie de ce continent. Et en même temps, faire connaître aux Tchadiens leur histoire, leur terre. Et aussi nos liens avec les autres.